Salut, salut. Je suis là pour vous présenter une nouvelle recette contre le désenvoûtement et apportant la chance et faire de telle sorte que tous ceux qui vous entourent vous aiment énormément. Et c'est une recette qui n'est pas compliquée parce qu'on fait ça avec tout ce que la nature nous a donné. Il n'y a pas quelque chose de compliqué là-dedans. Et c'est très efficace, sans vous mentir, car moi-même, j'en ai testé. Oui. Bon, pour tout commencer, je vous présente. Vous connaissez déjà ça. Ça, vous connaissez déjà. C'est le clou de girofle. C'est le clou de girofle. Oui, c'est ça, le clou de girofle. Oui, et ça, c'est un parfum Saint-Michel. Parfum Saint-Michel, il vous faut ça. Un parfum Saint-Michel et des feuilles de laurier. C'est ça qu'on appelle feuilles de laurier. C'est ça, les feuilles de laurier. Pour vous dire, c'est tout ce que nous utilisons chaque jour. Pour les cuissons, et comme je vous ai dit tantôt, c'est ce que la nature nous a tout donné. C'est que nous sommes ignorants. Oui, pour votre composition, vous allez prendre 16 clous de girofle, que voici, 16 clous de girofle, et vous allez prendre 7 feuilles de laurier, 7 feuilles de laurier. Ensuite, vous allez acheter votre parfum Saint-Michel et le quatrième ingrédient n'est pas malheureusement ici, mer. Il est facile à retrouver. Les peaux de citron et d'orange, pardon. Les peaux d'orange. Il faut un peu de peau d'orange pour mettre à l'intérieur. Ça va faire en tout 4 composants. Après avoir obtenu tous ces composants, vous allez ouvrir votre parfum, que voici, Saint-Michel. Vous allez introduire d'abord les grains de clou de girofle. Ensuite, vous allez introduire les feuilles et les feuilles de laurier. À la fin, vous allez introduire les peaux d'orange. Un peu de peau d'orange. Vous n'avez pas besoin de mettre tellement. Un peu de peau d'orange. Après avoir mis ça dans votre parfum, que voici, vous allez laisser ce parfum. Vous allez chercher un coin, déposer ce parfum, la laisser faire 3 jours. Après ces 3 jours, vous pouvez déjà consommer votre parfum. Comment consommer votre parfum? Vous deviez vous laver avec. Chaque fois que vous allez vouloir prendre votre bain, vous lavez d'abord avec du savon et ensuite vous mettez votre parfum dans la deuxième eau. Et vous pouvez mettre 3 à 4 gouttes de parfum dans votre eau, ça dépend de vous. Vous rincez le corps avec.
pouvez vous essuyer, il n'y a pas de problème. Mais je vous assure, ça marche. Cette astuce marche. Pourquoi? Parce que moi, sans vous mentir, je l'utilise. Voici ma part. Ça, c'est ma composition. Je l'ai composé il y a de cela une semaine. J'utilise ça chaque jour. Et ça marche, sans vous mentir. Voilà, c'est ça la composition. C'est ça. Ça éloigne les ennemis loin de vous. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de naturel parce que tous les ingrédients, ce sont les ingrédients que nous consommons chaque jour. Donc, il n'y a pas d'inconvénient. C'est un peu ça. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Ok. À très bientôt.